premier élément, nous connaissons tous, nous avons une position secteur démocratique là. Et ce n'est pas nous-mêmes seulement comme journalistes, population en général, diaspora, depuis avant-hier, il y a tant de positions secteur démocratique et populaire hein, sous mission spéciale OEA qui en Haïti, qui matin là, commence à rencontrer une série d'acteurs politiques dans l'opposition, dans la société civile. L'information dans ce sujet ça qui s'allie. Effectivement, secteur démocratique et populaire, à travers porte-parole Libert André Michel, te recevoir une invitation de bureau permanent OEA en Haïti. Et d'après invitation ça, nous te supposé jeudi à 3h rencontrer avec la délégation du Conseil permanent de l'OEA qui de passage en Haïti dans le bureau permanent OEA dans Pétionville. Nous t'invitons nous pour nous te rencontrer. Nous connaissons son mission spéciale qui est composée de 5 ambassadeurs. Ambassadeur américain dans l'OEA, ambassadeur Canada dans l'OEA, ambassadeur Costa Rica dans l'OEA, ambassadeur Grenadine Saint-Vincent dans l'OEA, ambassadeur Équateur dans l'OEA. Après discussion, après débat, vous connaissez le secteur démocratique là, ce n'est pas 2 mondes qui la donnent, ce n'est pas 5 mondes, ce n'est pas 10 mondes, c'est large. Après discussion, après débat, dans le temps secteur démocratique et populaire, après consultation dans le temps tout dirigeant national, après nous fin consulter toute représentation secteur démocratique là à l'échelle départementale, dans chaque département, là nous fin parler avec représentants secteur démocratique là dans la diaspora, ça veut dire États-Unis, Canada, en Europe, République Dominicaine, un peu partout à travers le monde, Brésil, Chili, nous arrivons à conclusion ça. Et la nouvelle est claire, secteur démocratique et populaire, les papes participer dans la rencontre qu'a faite avec l'OEA jeudi. Nous étions supposés aller dans l'OEA jeudi à 3h, à rencontrer les membres de la délégation, hein, ensemble avec l'autre monde qui est sous terrain politique là. Mais la décision qui a été adoptée, je dirais même à l'unanimité, c'est que le secteur démocratique et populaire, par rapport à sa ligne de combat, par rapport à engagement politique, par rapport à responsabilité, n'est pas capable de participer dans la réunion avec l'OEA. C'est la décision du secteur démocratique et populaire. On ne va pas participer cet après-midi à cette rencontre avec la délégation, avec la mission spéciale du Conseil permanent de l'OEA. Mais comment nous faisons ça? De toute façon, nous avons diplomatie. Nous sommes des hommes et des femmes d'État. Nous écrit un document de 9 pages et nous allons le distribuer là. Il traduit en anglais son document en français, con traduction créole qu'a fait. Son document de 9 pages, dans document ça, que nous voyons bail, M. Cristobal Dupuy, qui est le représentant permanent de l'OEA en Haïti, que nous voyons bail, ambassadeur américain dans l'OEA, ambassadeur Canada dans l'OEA, ambassadeur Saint-Vincent Grenadine dans l'OEA, ambassadeur et Costa Rica dans l'OEA, ambassadeur et Équateur dans l'OEA qui fait partie de mission, hein, nous disons très clairement, le secteur démocratique et populaire n'est pas capable de participer dans la rencontre aujourd'hui pour plusieurs raisons. Premièrement, nous estimons, le secteur démocratique et populaire estime que l'OEA a un comportement de complaisance politique dans la crise là. Et il a une responsabilité morale et politique dans la crise pays d'Haïti à vivre aujourd'hui.
nous dit dans document ça, nous dit dans document ça que on a assisté, on a fait un gel pendant Jovenel Moïse, te gen plus passé 7 élections pour te faire dans le pays, il pas fait. On a fait un gel pendant Jovenel Moïse a crasé la justice. On a fait un gel pendant Jovenel Moïse crasé la police. Ou y a fait un gel pendant Jovenel Moïse crasé parlement. Ou y a fait un gel pendant Jovenel Moïse a violé droit monde, pendant Jovenel Moïse a massacré monde. Nous dit ou y a fait un gel pendant Jovenel Moïse a massacré, assassiné monde, la Saline, Bel Air, Cité Soleil. Ou y a fait un gel pendant Jovenel Moïse avec gouvernement l'a metté Genève dans pays a cap kidnapper monde, violer monde, tuer monde. Nous dit pour raison fondamentale ça, secteur démocratique et populaire, faire de lance de cette bataille, il n'est pas capable de participer dans la rencontre avec mission spéciale l'OEA, parce que l'OEA, il a une complicité politique, il a une responsabilité morale dans la grave crise qui a crasé le pays aujourd'hui. Mais deuxième raison fondamentale, l'OEA, c'est une organisation à travers M. Almagro qui prend position très clairement, qui dit mandat Jovenel Moïse a fini 7 février 2022, alors que la constitution haïtienne est claire, en son article 134-2, le mandat constitutionnel de Jovenel Moïse a pris fin depuis le 7 février 2021. Le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, co-dépositaire de la souveraineté nationale, le pouvoir judiciaire, le CSPJ, lui prend une résolution de constater mandat Jovenel Moïse fini. Malgré ça, l'OEA a dit l'autre bagage. Il y a des universités américaines, Harvard, New York et autres qui disent mandat Jovenel Moïse fini. Les barreaux d'Haïti, la Fédération des barreaux, ils disent mandat Jovenel Moïse fini. Toutes les structures de la société civile, ils disent mandat Jovenel Moïse fini. Gagner tout secteur protestant qui dit mandat Jovenel Moïse fini. L'église catholique à travers la conférence épiscopale d'Haïti lui prend position très claire quand elle reconnaît mandat Jovenel Moïse fini. La diaspora haïtienne reconnaît mandat Jovenel Moïse fini. Il y a des congressmen américains qui reconnaissent mandat Jovenel Moïse fini et que pas qu'à gagner élection avec Jovenel Moïse. Malgré ça, l'OEA a continué à supporter Jovenel Moïse. L'OEA a continué à parler de l'élection. Et nous dit pour toute raison ça, yo, le secteur démocratique et populaire, faire de lance de cette bataille, n'est pas capable de participer dans la rencontre avec l'OEA. Parce que l'OEA a une responsabilité morale et politique dans la crise là. Parce que l'OEA prend une position qui dépamment avec la position de la Constitution sur la fin du mandat de Jovenel Moïse. Mais nous disons, dans cette situation, nous ne pouvons pas répondre. Maintenant, le l'OEA, lorsque la communauté internationale il va comprendre que effectivement le mandat de Jovenel Moïse finit, que effectivement, pas capable de gagner élection avec Jovenel Moïse, lorsque la communauté internationale aura compris que pas de cohabitation qui est possible avec Jovenel Moïse, la communauté internationale la comprend que le seul débat qui s'impose aujourd'hui en Haïti, c'est qui Jean n'a fait article 134 de la Constitution à respecter. Comment n'a facilité et que crise la résoudre, prisonniers politiques libérés, yo suspend tout le monde dans le quartier populaire. Comment on a facilité l'installation de Maître Joseph Mécène Jean-Louis, le juge le plus ancien à la Cour de cassation, que nous avons choisi pour diriger la transition de rupture. Peuple l'a acclamé déjà. Eh bien, le ça, secteur démocratique là, a gardé qui ça le capable de dire avec la communauté internationale là. Parce que mes chers amis, en ce qui concerne le choix de Maître Joseph Mécène Jean-Louis, le secteur démocratique et populaire a une position morale. Parce que pour nous, il n'y a pas de politique sans conviction. Il n'y a pas de politique sans éthique. Moi, rappelez, 7 février dans la soirée, moi, j'ai fait partie de une délégation
de dirigeants politiques. Je ne vais pas citer nos monde parce que je ne vais pas dénoncer personne. Nous sommes à la caille, Joseph Messène Jean-Louis. Nous n'allons pas là avec lui. Le ça, toute classe politique là, était bien content. Là, nous arrivons à la caille, Madame Messène Jean-Louis, il était très réticente. Madame nous dit, bon, je venais là toujours pour qu'on aille, pour que ça nous prenne le premier Messène, pour nous dire, pour l'accepter, pour le vivre président provisoire. Nous connaissons Jovenel Moïse qui a voulu assassiner, il a voulu tout y aller. Il a voulu mettre une menace sur la famille. Je parlais dans le téléphone je sois ça avec petit, petit fille, petit garçon. Il y a un en Haïti, il y a un à l'étranger. Je dis, mais papa, je ne suis pas capable de prendre Goris Sayo. Parce qu'on connaît papa, nous ne voulons pas tellement rentrer dans la politique. Il n'y a pas de faire politique dans la ville. C'est un juge, il était toujours là. C'est toujours un magistrat. Mais c'est Jean-Louis a tranché ce soir-là. Avec autorité, avec liberté, avec autonomie, Messène Jean-Louis a dit, à mon âge, il est venu le moment de me mettre au service de mon pays. Et pour cette raison fondamentale, étant donné que CSPJ, le pouvoir judiciaire codépositaire de la souveraineté nationale, il prend résolution du constaté mandat Jovenel Moïse Vini déjà, et que là, bon, vacances présidentielles, moi-même, Joseph, Messène Jean-Louis, grand papa, c'était petit Jean-Jacques Dessalines, garçon canson. Grand maman, sorti dans la famille Jean-Jacques Dessalines, garçon canson. Moi-même tout, moi c'est descendant du général Jean-Jacques Dessalines, garçon canson. Moi accepté pour moi servir pays. Moi accepté avec nous, messieurs, dames politiques, messieurs, dames société civile, moi accepté pour me jouer le rôle président provisoire et m'a fait déclaration, hein, même si après, je vais étouiller, même si après, je vais mettre du feu la caille, moi, m'a fait déclaration, m'a pris responsabilité avec moi. Laisse ça, de 11h30 du soir, pral dans minuit, le mécène campé devant nous, lui dit ça, tout le monde tremblait. C'était un homme courageux, c'est un homme courageux qui a décidé en toute conscience, en toute liberté, contre la position de sa femme, contre la position de ses enfants. C'est un homme d'État. Voilà pourquoi nous disons que nous devons respecter les sacrifices de ce magistrat de carrière. Nous devons respecter et apprécier les risques que famille prend et l'accepter d'entrer dans Bagaïsa. Et tout de suite après, Jovenel Moïse révoquait Messène Jean-Louis comme juge à la Cour de cassation. Tout de suite après, Jovenel Moïse mettait interdiction de départ contre Messène Jean-Louis. Jodi a, si Messène Jean-Louis besoin à l'hôpital au Canada, il n'y a pas aller. S'il besoin à l'hôpital aux États-Unis, il n'y a pas capable aller. Jodi a, c'est une affaire de morale politique. Nous ne pouvons pas aller au matin. Quoi que la peau chanter, on froid pour nous oublier, nous avons choisi Joseph Messène Jean-Louis. Voilà pourquoi. Le secteur démocratique et populaire réitère son attachement au choix de maître Messène Jean-Louis, au choix de ce magistrat de carrière, le juge le plus ancien à la Cour de cassation pour diriger la transition de rupture. Et à celles et ceux qui étaient comme nous, autres du secteur démocratique et populaire, impliqués dans ce choix, dans le choix de maître Joseph Messène Jean-Louis, nous voulons leur dire, attention, on ne fait pas de politique de cette manière. On ne fait pas de politique de cette manière. Écoutez, il ne faut jamais en politique échanger ses convictions en échange d'avantages personnels. Et quand vous échangez vos convictions parce que vous cherchez des avantages, vous savez ce qui arrive. Un, vous perdez vos convictions, vous n'avez plus de convictions. Et deux, vous n'aurez pas les avantages. Voilà pourquoi. Le secteur démocratique et populaire réitère ici à Delma 75, en son nouveau local, son attachement au choix du juge Joseph Messène Jean-Louis pour diriger la transition de rupture. Et nous demandons à toutes les bases du secteur démocratique et populaire, nous demandons à tous les citoyens, à toutes les citoyennes de la nation, nous demandons à la diaspora de continuer à supporter ce choix. Et nous demandons tout le groupe dans l'opposition, dans la société civile là, pour retourner exactement côté ODEA. C'est comme ça qu'on fait de la politique. Et le plus important, c'est que, un,
le choix de Maître Mécène, c'est un choix consensuel. Et deux, c'est que ce choix a été acclamé par une bonne partie de la population au cours de manifestations populaires du nord au sud, de l'est à l'ouest. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que Maître Joseph Mécène Jean-Louis, il pas pour tête encore, il pas pour nous seulement, population vient d'en prendre. Et hier, m'attendais, mon cap coordonné activité, Mécène Jean-Louis, dans la radio, et dans l'émission Intersection, c'est M. Pierre-Aubert Auguste, il dit, Maître Joseph Mécène Jean-Louis, il a toujours été président désigné pour diriger la transition. Il dit, Maître Joseph Mécène Jean-Louis, il pas fait blocage pour l'empêcher en solution nationale. Si au moment qui arrive, il faut le faire sacrifice, la garder. Mais pour le moment, la population supporte. Il y a un support en bas de monde dans le pays. Il y a un support secteur démocratique et populaire. L'irrité président désigné pour diriger la transition. En politique, c'est comme ça que ça se fait. Il faut un peu d'éthique, il faut un peu de morale. Il faut respecter les sacrifices des autres. C'est comme ça qu'on fait de la politique. Voilà pourquoi. Encore une fois, pour terminer mon intervention, nous réitérons une cinquième fois notre attachement à ce choix et nous demandons à celles et ceux qui, comme nous, étaient impliqués dans ce choix, de reconsidérer leur nouvelle position, de retourner à la raison, parce que la politique ne se fait pas sans éthique, elle ne se fait pas sans compréhension, elle ne se fait pas sans humanité, mais ce n'est pas à nous. Et tous les amis la presse qui répondent présents une fois encore avec le secteur démocratique, Jean-Claude et Daryl Dill, ici à ce nouveau local, secteur démocratique et populaire haïtien. Tout petit rendez-vous que nous avons gagné, c'était à partir d'aujourd'hui, c'est ici que nous avons gagné. Nous avons vécu un moment assez difficile dans l'histoire, nous comme peuple. Il y a un chanteur africain qui dit, qui chante un chanteur qui dit, yo met du feu dans le paradis. Yo met du feu dans le paradis. Ils ont mis le feu à mon paradis. Nous tous qui là, en tant qu'haïtiens, en tant qu'haïtiennes, nous ne pas jamais penser si le pays nous a réduit dans la situation que nous sommes là. Nous sommes vivants une semaine, un week-end qui est assez difficile. Pour un pile compatriote et pour nous tous ensemble comme haïtiens. Nous tous là, nous connaissons ce qui passait dans Mardisan, Fontamara, Cité Soleil, Bel Air, puis Cité Sao seulement. Matissa, secteur démocratique populaire, vient porter solidarité par toute famille Sao, par toute population qui habite dans la zone Sao. Qui aux abois, qui victime, qui en pile qui mourit, qui plus fort moun yo obligé quitter la caillou, yo prend la rue, y a plus ça qui vivre à la belle étoile, ça qui a le camp kounia, c'est la mode, c'est pas catastrophe écologique encore qui mettait nous dans le camp, mais c'est guerre entre nous qui mettait nous dans le camp. Yo fois encore, nous tous nous constatons et les vivants les palpables. L'État démissionné, l'État absent, l'État quitte population a trimé pour col. L'État quitte population a assassiné yo pas porté au secours. Et nous tous qui là nous capables de connaître, nous tendel, misère pays d'Haïti, traka calamité pays d'Haïti, li a vivre li par rapport à yon l'État qui choisit une gouvernance par la terreur. Il y a l'État qui choisit d'instaurer la terreur comme mode de gouvernance et c'est ça qui va nous situation que nous y est là. Une fois encore, nous avons solidarité, le secteur démocratique là pour être solidarité avec tous les haïtiens, haïtiennes qui sont victimes dans cette situation. Ça. Et nous avons demandé la paix. Nous avons demandé la paix parce que le pays nous pas comme ça. Nous avons demandé la paix parce que nous avons une culture de vivre ensemble. N'a demandé la paix parce que histoire nous comme peuple c'était toujours yon soutenir l'autre. La paix c'est plus bonne solution, c'est plus bon chemin pour nous prendre pour nous capable conduire pays nous sous chemin développement parce que si pas la paix c'est plus fond n'a pas entrer dans misère. Permettre pour un moment ça
pour aller avec tout le peuple haïtien dans nos secteurs démocratiques là. Pour nous dire nous corona bien bel et bien là. Comportement nous chaque qui a sauvé la vie nous et la vie nous toutes. On respecte les gestes barrières, on continue à prendre précaution. C'est haïtien nous yé, c'est créole nous yé. Pas négliger tite nous. Pas négliger prendre toute précaution que nous connaissons qui est capable d'aider à sauver la vie nous, avec la vie de la famille nous, de nos amis nous, de nos compatriotes. Mettez masque, geste barrière, respectez parce que en pile citoyen et citoyenne a tombé et nous tous nous connaissons, c'est pas moi qui pral apprendre nous là, nous en face yon l'état qui pas garder avec nous. Si nous yon malade là, yo di nous pas gen place l'hôpital. Si nous yon malade là, c'est si nous capable river joindre accès pour nous traverser yon route pour nous river joindre un petit mot sur soin. Parce que situation que l'État mette pays nous, li barricade nous, li fait que nous pas li pas capable nous santé et li limite accès pour nous même tout pour nous circuler si nous besoin à chercher la santé. Une fois encore, solidarité nous matin à tout peuple haïtien, à tout monde qui a victime dans tout quartier yo, c'est solidarité ça secteur démocratique et populaire là a dit. Par rapport à démission l'État, par rapport à absence l'État, par rapport à choix de gouvernance que l'État ça a choisi. C'est ça que moi-même, en quelque sorte, je porte pour nous comme message dans nos secteurs démocratiques le matin. En goumen pour la paix, en goumen pour le pays nous revivre, en goumen pour plus jamais nous pas arriver dans situation ça. Et c'est coup à coup qui permet de nous sortir là-dedans. Monsieur Pierre Aubert, il a parlé pour Messène Jean-Louis. Il dit Joseph Messène Jean-Louis, toujours été président. Matin, moi parlé avec mon de la caille Joseph Messène Jean-Louis. Yo dit à quoi ça va parler. Jusqu'à présent, Joseph Messène Jean-Louis pour Jean-Louis. À quoi ça va parler ya? Jusqu'à présent, Joseph Messène Jean-Louis pour Jean-Louis encore. Il faut comme ça là-dedans. Et me bral tout l'autre bagage. Si on ne nous parle avec mécène d'abord, et journaliste éclairé, c'est pour montrer où papier mécène si un côté désister. Alors, mes chers amis, sommes sérieux. C'est comme ça nous-mêmes nous faisons politique dans le secteur démocratique. C'est comme ça nous faisons. Ça veut dire, nous ne sommes pas capables d'accepter ça. Parce que si on ne fait pas ça, on ne va pas accepter. Si on ne fait pas Nenel, ça ne va pas accepter. Si on ne fait pas Majorie, ça ne va pas accepter. On ne va pas faire ça. On va chercher. Nous supplions pour l'accepter. J'aimerais faire un bagage. Jour 7 février, ça, tout l'autre juge nous contacte dans le cours de cassation va accepter. Parce qu'on dit, ah, le journal là toujours, je ne vais pas prendre ça. Le camion boule est là, le camion douille est là, tout le monde fait. C'est seul mes scènes qui l'accepte. Je dis, ah. Nous devons être solidarité. Et ça fait le secteur démocratique là, continuer à supporter les choix. Le secteur démocratique là, c'est la voix du peuple. C'est ça lié. Ouais, évidemment, on connaît. Il y a quelques blancs qui disent qu'on parle de mes scènes. Nous parlons de blancs. Blancs parlent de mes scènes, c'est pour les pas blancs. Mais nous supportons mes scènes. La population, qui est approuvée, choix mes scènes déjà. Je prends ce bagage. En politique, vous savez, mon ami, qui a trahi, trahira. Qui a trahi, trahira. Partout. Si je dis on a messe, demain matin que dans le jeu de l'autre. Donc qui ça empêche après pour nous cohabiter sur la journée? Pas sérieux. Mais c'est vieux ou vivre, parce qu'on dit la politique est dynamique. Qui a changé matin pour quitter mes scènes, qui a rechangé encore le fond dans la journée, qui a rechangé encore le maintenant matin. Bref. Sérieux, on ne peut pas changer de position politique au gré du vent politique. Quand on fait de la politique, on a preuve de conviction. Mais évidemment, ce sont des acteurs politiques majeurs. Position engagée, on peut garantir.
pour engager le secteur démocratique et populaire. Voilà, je te garantis. Pas grand pile le monde dans le pays, il y a pas le marché comme ça. Parce que là, on est au bord avec les seuls, on est dans la gueule. Qui l'a trouvé pour nous voir le pain? Souffrez-vous. Ce sont des amis, moi j'espère après saisir le plus vite possible. Mécène Jean-Louis, son magistrat de carrière, il est capable de faire le job là. Nous-mêmes dans le secteur démocratique et populaire, nous lançons un appel à l'unité au niveau de l'opposition. Faut que l'opposition ne soit pas divisée. Pas d'accord parce que dans l'OEA Capina et puis pour l'opposition qui est divisée, nous ne sommes pas divisés. Faut nous rester unis. Même gens, nous écraser le référendum, non? C'est même gens pour nous rester unis, solidaires, pour nous écraser la prochaine élection, pour y gagner avec le problème. Madame, nous continuons de travailler avec tout le monde, nous ne pouvons pas quitter personne. La dernière question. La dernière question. Le même dit des facteurs, lui-même, il a annoncé qu'il a organisé l'élection. Il a fait le référendum. Merci la presse. A bien tout ça. Merci la presse. Et moi félicite la presse parce que yo toujours répondre à appel secteur démocratique là et yo ba nous en live diffusion de tout article nous de tout ça nous gagnons. Bon c'est ça, c'est intéressant. Et m'a dit la presse joue un rôle capital dans bataille qu'on fait là. Et pendant que André a parlé, il y a un bagage qui vient dans la tête. Moi, je dis, ah, peuple haïtien a raison de faire le secteur démocratique la confiance. Parce que peuple haïtien, son peuple qui est intelligent, et il connaît que le secteur démocratique prend engagement, la respecte l'engagement. Et je dis à son témoignage clair. Flagrant qui montre le secteur démocratique, la pape trahit moun. Et c'est dans ce sens-là, le pape trahit mécène. Et c'est ça qui dit tout, que le pape trahit revendication peuple. Et n'a prêté attaché à toute revendication peuple. Et cette fois-ci, il faut peuple arriver côté de l'univers. C'est dans ce sens-là, on a continué à féliciter tout partisan secteur démocratique, là, partout à travers le pays. Là. Dans la diaspora, dans le département, yo, si tout côté nous sommes passé pendant la tournée contre le référendum, côté nous avons acclamé, nous avons accueilli nous avec un pile contentement. C'est un succès total, capital. C'est grâce avec Mounsayo que nous avons tendu le message qui force tout le changement. Moun antidémocratique, pour qu'on connaisse que yo pas qu'à marcher sous constitution peuple là, yo pas qu'à faire coup d'état sous constitution peuple là. On pas qu'à saluer la presse tout. Qui te permettre que message ça yo publié. Si tout la presse qui te journal radio, journal etc. pas de les prendre. Sport. On te ka dit sport c'est là ça. Sport pour te mettre pays là. Non. Chaos total. On pas capable saluer courage radio ça. C'est l'argent et pas tout le monde qui a fait bac devant l'argent. On pas capable saluer tout. Tout secteur qui prend position contre référendum. C'est vrai qu'il y a si là qui pas de descendre sur terrain. Mais ça qui sorti note qui prend courage qui dénonce elle nous pas capable saluer. Mais Aïbobo tout pour ça prend terrain qui marchait qui parlait avec le peuple. Et il y a des journalistes qui ont fait reportage qui montrent comment le peuple a opposé avec la question du référendum. Félicitations pour vous. Nous pas capables de pas dire prisonniers politiques. Nous, courage. Parce que nous sommes en combat dans la bataille. Si je dis à peuple haïtien qu'a fait messieurs, dames, PHTK, vous comprenez, vous pas qu'à faire coup d'État sous constitution. Pour pondre une constitution pour protéger la tête, en main, les prisonniers politiques nous mettent l'espoir qui a sorti côté. C'est dans ce sens que nous avons dit tout secteur qui met la tête ensemble pour faire échec avec référendum criminel. Ça.
Malachon ça. On a besoin de tout secteur ça. Pour mettre les têtes ensemble. Pour nous faire échec avec question élection Malachon. Élection bouillie vidée. Élection 104 électorale. Élection dans l'insécurité. Côté ces guerres qui ont fait dans le quartier populaire. Moun a quitté la caillou. Côté ces caillou qui a brûlé. À qui ça va le voter? Comment va le voter? Moi vle international là. Comprendre ça qui a passé dans le pays. Même intelligence qui pousse elle comprendre que le référendum n'est pas possible et que vous arrivez à tendre international à tout le peuple haïtien. Mais c'est même raison ça, Jodia qui explique que l'élection n'est pas possible à Jovenel, qui m'a mandat fini depuis 7 février 2021. Et demande pour tout le monde faire un seul. Parce que la bataille est longue. Nous faisons première bataille contre le référendum. Non? Mais deuxième manche bataille là, c'est contre l'élection bouillie vidée. L'élection ça a toujours accouché par l'autre bagaille. Coup d'État. Il a toujours accouché massacre. Il a toujours accouché la misère, grand goût. Il a toujours accouché de cadeaux jeunes, il a quitté le pays à pas banner pas paquet. C'est ça l'élection Malachon ça yo. L'élection téléguidée ça yo. L'élection blanc vient faire pour nous. Mais nous même nous dit l'élection a fait en dans pays a automatiquement que Jovenel quitte palais national, automatiquement sécurité commence retourner dans quartier populaire yo, automatiquement que tout le monde qui quatre nan yo pour aller voter, l'élection a fait en dans pays a. Parce que c'est le moyen pour permettre que des dirigeants qui arrivent au pouvoir de façon démocratique. Mais il faut que la transition de rupture la fête pour permettre qu'elle mette le pays à sauvage, pour permettre qu'elle mette le pays à des cadeaux sur route progrès avec croissance. Et moi, je crois que c'est important pour tout le monde mettre les mains ensemble pour une bataille, pour nous permettre que PHTK, blanc américain, parce que ça qui a passé là aujourd'hui, je vais dire nos bagages, la presse, pour me finir. M'a dit nous bon bataille qu'a fait là. C'est blanc américain avec peuple haïtien patriote nationaliste qu'a goumé là. Blanc américain voulait faire élection ba nous pour que mes pays a dans situation qu'il y est là sans pas gain sécurité, sans que moun yo pas gain carte, ça m'pas ka comprendre ça. Majorité population pas gain carte, non mais nous doit faire élection, à qui est-ce qu'on va faire? Ça veut dire blanc américain voulait faire élection. Alors que nous-mêmes nous disons, nous ne pouvons pas faire élection pour y vider encore. Avant l'élection, en fait, nous ensemble des mesures qui doivent prendre pour permettre que cette fois-ci, nous mettons le pays vraiment sur rail, développement, croissance. Ça, il faut que nous fassions et nous prenons engagement pour nous faire. Ça veut dire, la bataille qu'a fait là, moi, je veux que les Américains attendent nous. Nous ne pas dire non avec l'élection, mais nous disons qu'il faut conditions réunies d'abord avant d'entrer dans la question élection. Et c'est peut-être ça. Nous en consultation avec toute force dans la vie nationale, là, tout secteur dans la vie nationale, là, tout groupe politique, société civile, pour nous arriver à organiser nous, pour nous déguerpir Jovenel le plus rapide que possible. Amusement, Jovenel a mis un référendum, question élection qu'il connaît pas qu'à faire, pour nous parler de bagages, pour oublier de quel disman. Nous ne pouvons pas entrer dans ça, et c'est peut-être ça que nous avons demandé tout secteur. Continuez pour te coller. Tout le monde, Jean-André Sodi là, ressaisis-nous. Parce que Oya, ce n'est pas qu'à juger parti à la fois pour penser qu'il a porté une solution pour les Haïtiens. Oya n'a pas jamais porté une solution pour les Haïtiens. Ça veut dire que c'est nous qui pouvons prendre destin en main. Et c'est peut-être ça, moi, quoi. Unité, convergence qui est dégagée contre le référendum. Non, en kembe unité ça, en kembe convergence ça. En kembe compréhension ça, intelligence ça, pour nous river faire échec avec élection l'enfer, élection malais, élection danger que blanc américain avec PHTK voulait fourrer dans gorge. Moi crois avec peuple haïtien que ça pas privé fait. Et moi crois avec peuple haïtien, tout secteur dans vie nationale là n'a privé de guerre Jovenel, crois pas. Jean-Major demande là, nous demande la paix tout côté. Nous demande pour peuple là manifester, exprimer parce que nous avons un combat aujourd'hui. Et il faut que nous dégagions Jovenel définitivement dans le palais national. Chaque fois que nous dégagions Jovenel, plus rapide, plus bon pour nous. Si Jovenel est en aller, aujourd'hui, pas de ça qui a passé dans le pays. Là. La police effondrée, l'État effondré, ces commissariats marchent pour un.
C'est moun yo kap kite kache la kayo, ti moun, fom ansente, grand moun, mes amis. Nous pas dans situation, hein? Mais mettez nous là dedans pour nous. Comment moun sa ap soufri, jounen jodi a? Yo pa gen kay, yo pa gen kote pou yo dormi. Yo gaye nan univers. Yo pou kocho. L'État abandonné. Et nous même au niveau secteur démocratique là, nous prenons engagement. Notre transition de rupture là, bagay sa yo pral fini et pays a pral réconcilier avec tête li et nous pral faire réinsertion dans quartier populaire pour permettre que tout le monde rentre dans vague changement qui n'a prôné pour l'autre pays, pour l'autre Haïti côté haïtien ka fier de. Merci. Deux questions, on allez. Mon chef cabinet, la travaille avec tout le secteur et la tente au moment opportun pour le prendre fonction. Nous sentons que bien aimé le président d'essayer à commencer le travail, mais on nous dit quelque chose de rapide pour l'installer. C'est comme ça. Ne t'en parle. Aidez-nous, supportez-nous. D'accord. Président cabinet.